répète. Salut à tous, donc on se retrouve donc sur GTA V. Donc là du coup, arrête de rigoler Val. Donc du coup on se retrouve sur, sur une course. Donc du coup, petite parenthèse, donc la vidéo je l'avais pas de base pour ça. En fait la personne qui a créé la course, donc c'est pas Rockstar, donc ça veut dire qu'il y a des gens qui ont déjà la main sur l'éditeur, donc le nouvel éditeur qui va arriver. Je vous ai fait une vidéo d'ailleurs pour le dire. Donc voilà, donc du coup on est en train de la faire. Donc ça vous permet de voir à peu près. Je vous mettrai aussi le lien dans la description si vous voulez la faire, si vous voulez, tout simplement. La base si on fait cette vidéo là du coup c'est pour. Bah, je vais laisser parler Flo. Vas-y Flo, je vais laisser parler. J'ai cru que ça viendrait pas. Donc c'est simplement un petit rappel pour vous rappeler qu'on va bientôt attaquer la journée patriotique. Donc je vous rappelle de venir nombreux, d'inviter vos potes et de rejoindre le crew, la session. Bref, on va faire des trucs. Si vous êtes là, tant mieux. Si vous n'êtes pas là, bah, on essaiera de s'arranger pour qu'il y ait le plus de monde et qu'on fasse tourner les abonnés dans les parties vocales. Pour venir faire des activités nouvelles, totalement nouvelles, que vous verrez jamais sur... Attends, mais ça bouge les pneus, là. Bref, donc voilà, rejoignez-nous, on sera là. Donc, pour rappel, c'est ce mercredi, entre 19... Oh, j'ai eu. Je sais pas où je dois aller. Demi-tour. De 14 à 19h. Non, faut faire demi-tour. Oui. Ah ouais, ah, oui. Salut. Ouais. Ah oui. Donc, bah, voilà. Putain, le bâtard. Donc, rejoignez-nous, on est là. Et si jamais on n'arrive pas à se caler sur les parties vocales, on va essayer de faire ça, mais de façon... Mais c'est bizarre, ma voiture elle roule et à l'envers. Du coup, ce que je ferais, c'est que j'en ferai une vidéo. Exactement. Donc voilà. Exactement. Une grosse vidéo. Mais elle est dingue cette course. Hein. Ah bah ouais, non, mais c'est. Ah, mais en plus, moi j'ai respawn comme un coup. Alors on sait pas si c'est des mods ou si c'est des gens qui ont déjà accès à l'éditeur. En tout cas, c'est des Américains. Pas par, c'est, ouais, je pense que c'est des Américains et c'est pas des courses créées par Rockstar. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai trouvé bien de faire cette course là en même temps pour faire la petite piqûre de rappel pour what? Ah ouais, pas mal, stylé. Ils ont déjà mis les cercles de flammes qui sont pas encore apparus dans les courses qui vont mettre si, bientôt. Non, c'est parce qu'on n'a pas fait toutes les courses. Si si, les cercles de flammes on a accès. J'ai les grands comme ça. Il y en a déjà. Oh putain, ouais, c'est de la boucherie, maman, aide-moi. Putain, avec le truc. Val, pousse-moi. Vas-y, pousse-moi. C'est pas moi en fait qui est avec toi. Oh bah, le bâtard il passe en scratch. Bah, tu vois, j'avais oublié. Oh, la taille des plateformes. Ouais, t'as vu la taille des plateformes, laisse tomber. On voudra faire, ouais, c'est énorme. Mais si, je pense que c'est un truc modé. Enfin, je pense plus que c'est un truc modé qui a été trouvé des sources, tu sais, qui auraient été réussi à être rajoutées. Parce que déjà, faut voir le nombre pas. De. Pour voir le nombre de personnes qui peuvent être accueillies dans la course. Si c'était fait sur PS3 ou pas. Enfin, après, si c'était sur pareil, PS3, c'est pas bizarre, mais bon. Si vous voulez en faire d'autres comme ça créés par des gens, bah du coup à l'avance, vous allez sur Social Club tout simplement. Voilà. Déjà, je vous mettrai celle-là dans la description. Voilà. Et petite. C'est bien qui. Et donc, petite parenthèse, c'est vrai que j'en ai encore pas parlé du tout, je me sens que je n'ai pas parlé. À propos de Battlefield 1, donc du coup c'est prévu que du coup sur ma chaîne après il n'y ait pas que du GTA 5, il y ait du Battlefield, c'est les deux jeux où je veux vraiment jouer pas mal. Battlefield, je suis fan. Flo, il a déjà joué sur Battlefield PC, on s'y connaît bien. Toretto, il connaît très bien Battlefield aussi, il jouait déjà sur le 3, j'ai joué sur le 3 avec lui. On joue depuis le 4, on a joué sur Hardline, du coup on jouera forcément à celui-là. Donc j'essaierai de passer un maximum de trucs sur Easter Egg et compagnie, débloquer les armes parce que c'est que les missions... que DICE donne pour débloquer les armes, genre tuer des mecs avec un défibrillateur ou des trucs comme ça, c'est pas forcément facile, ou c'est là de trouver des astuces, tout ce qui est trucs comme ça. Voilà. Oh, c'est pas si dur non plus. Si, il y a certaines missions qui sont pas faciles, hein. Je crois genre c'était le F2000, je crois, il était super dur à avoir sur le 4. Il me semble que c'était le F2000. Coucou. Effet kaboom. Donc voilà, donc vous pouvez aussi nous rejoindre sur Battlefield 4. C'est... Oui, et sur le 4 aussi, si vous voulez. On leur a mastiqué pour qu'ils mettent un. Non, le 4, je pense pas retourner dessus. Hein. Parce qu'on a sauté dans le temps. Pourquoi je suis deuxième alors que je suis premier? Et t'as vu, c'est impressionnant, Flo, le nombre de boosts qu'on pourra mettre, t'as vu? Enfin, que le mec a mis. Si tu veux, en fait, tu mets la course tout en boost, en fait.
Ouais. Non, je pense que t'es limité, c'est comme ça va être comme tout ce qui est objet, objet dynamique et tout, je pense. T'inquiète pas, Michel, je m'en occupe. Non, je suis tombé, Michel. Donc, du coup, je sais pas, Flos, il sort quel jour l'éditeur là? C'est le 2 août. Non, c'est ça. Bah, c'est loin là, quand même. Mais bon, à mon avis, ils veulent faire quand même leur coup de pub pour acheter les chers. Et si tu regardes quand tu fais en ligne activité, tu peux déjà voir les activités. Quand tu vas dans mes activités, il y a les activités casse-cou. Mais comme on n'a pas encore accès aux activités casse-cou, il y a juste le nom qui est marqué. Ouais, parce que je sais, parce que c'est là que j'ai, c'est là que je l'ai prise, c'est pour ça. Bon, là, je l'ai ajouté du Social Club sur mon PC, et c'est là que je l'ai récupéré. Oui, mais non, mais c'est dans mes activités que moi je te disais ça. Ouais, mais je sais, bah, c'est là que je l'ai prise. Dans tes activités à toi? Non, pas dans mes activités, mais dans les activités. Ah bah là, voilà, et là voilà, et là voilà, et là voilà, et là voilà. Voilà, taille de la plateforme. Tout à fait. Et c'est qui le winner? Et Bibi. Donc, moi je dis, c'est toi Flo. Donc moi je dis, c'est incroyable, franchement, on va vraiment pouvoir s'éclater après. Surtout Flo qui crée pas mal d'activités. Respecte la limitation de vitesse. Et du coup Flo, on va en profiter, je te laisse parler de ta chaîne YouTube en même temps. Encore? Oui, encore. Bah vas-y, si c'est super, c'est une pire. Non, pas encore. Donc ma chaîne YouTube Tuto Tétu qui sera dans la description de cette vidéo. Si notre ami gamer ouais. se donne la peine de le faire. Tais-toi, Merci Valtata. Occupe-toi de faire ce que tu fais là. Déjà il sera pas classé. Donc on fait des tutos, on fait de l'éditeur, on vous explique comment ça marche. Et voilà, il y a des petites astuces. Des vidéos qui vont venir bientôt. Donc je voudrais faire aussi une petite parenthèse, il y a un certain Max. Je sais pas si tu regarderas la vidéo, qui m'a demandé à propos des courses modées, parce que je lui ai donné ta chaîne pour tout ce qui était course, tout ce qui était course modée. Et du coup, je savais pas trop comment lui dire. Flo, qu'est-ce que tu vas, comment tu vas répondre à ma question? Est-ce que c'était vraiment, c'est pas vraiment des courses modées que tu fais? C'est comment tu pourrais me répondre à ma question? On peut appeler ça des courses glitchées, parce que si elles sont sous la map, c'est pas habituel. On appelle ça des exploitations de bugs. Voilà. Ouais. Des courses buggisées. Bon bref, je pense que j'ai tout dit. Voilà. Donc du coup, bah moi je vous dis, et ben moi je vous dis du coup à mercredi. Voilà. Bonne année. Allez, ciao.